Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir sur Dédale, une vidéo que je voulais vous faire euh, suite à euh, bah, une partie que j'ai faite euh, il y a quelques jours, et je voulais revenir dessus. Euh, et on va directement commencer au défi numéro 2, parce que le défi numéro 1, c'était un défi d'introduction et d'initiation au jeu. Donc, Dédale, c'est quoi finalement C'est un jeu dans lequel on va construire... Une salle, un labyrinthe où on va devoir enfermer le Minotaur sur certaines contraintes de couleur et, euh, et d'autres contraintes où il va falloir placer des, des colonnes ou des torches. Donc, euh, à l'initiation, pour rappel, on joue une seule carte au lieu de deux, donc c'est pour découvrir le jeu. Et il fallait, dans la salle, avoir au moins une torche visible dans le labyrinthe dans lequel on enfermait le Minotaur. Et eh bien c'est parti, on va lancer notre défi numéro 2. Le défi numéro 2 nous propose d'enfermer le Minotaure dans une salle comportant au moins 3 colonnes. Alors, on y va, on va piocher deux cartes. Donc, une carte avec une flamme, une carte avec une colonne. Donc, ça nous correspond, c'est ce qu'on attendait, une carte avec une colonne. Et il va falloir couvrir une dalle verte avec une de nos cartes. Et eh bien, on va choisir cette carte et on va la mettre comme ceci, pour pouvoir, même plutôt comme ça, voilà, comme ça. Et on fait ainsi le début de notre salle dans laquelle on va enfermer le minotaur. On pioche une nouvelle carte, on se remet toujours à deux mains dans la main, et on va continuer à construire notre salle. Là, c'est pas mal. On nous demande toujours de courir une salle verte dans notre labyrinthe. J'ai encore ici un symbole de colonne, donc je vais tout simplement poser la carte à ce niveau. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que la mise en place est assez rapide, comme vous pouvez le voir. Il suffit de mélanger les cartes. Qui représente les salles euh, du labyrinthe, de poser la carte Pinotor et de choisir une carte défi, sachant qu'il y a 10 défis dans le jeu avec des niveaux euh, qui montent à crescendo, donc c'est-à-dire de plus en plus difficile. Et après, vous avez bien entendu un autre mode qui est proposé par les auteurs, un mode expert où vous allez avoir un timer de 5 minutes pour construire rapidement une salle et enfermer le Minotaur. Et ça, je pense que ça a vraiment du charme dans le sens où en fait il y a toujours eh bien, une difficulté accrue dans le jeu et c'est sympathique sur un jeu qui coûte une dizaine d'euros euh, qui a été créé lors du festival de l'alchimie du jeu à Toulouse l'année dernière notamment par Omarie Gallonier, Jérémy Partinico et Baptiste Pérez et derrière on a donc la maison d'édition subvertie et eh bien euh, détenue par Johan Brogol et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé ce jeu en avance pour vous le présenter vous le mode solo en sachant que le jeu se joue jusqu'à 4 joueurs mais pour moi le jeu a vraiment du charme en solo parce que ça représente vraiment un puzzle gaming sur lequel vous pouvez vous lancer entre deux grosses parties alors on continue notre partie donc là il s'avère qu'on a une carte spécifique dans laquelle on voit Taze. téser, téser" l'avantage de cette carte c'est qu'on n'est pas obligé de respecter et eh bien la contrainte de pause ici rouge sur notre labyrinthe on pourrait passer téser n'importe où et eh bien je vais le faire euh, je vais le placer comme ceci ici. Bon, je n'ai pas respecté la condition rouge de pose du, de la carte. Je vais même changer d'avis, je vais plutôt la mettre comme ceci. J'ai mis sur du rouge, c'est pas grave, mais au moins je peux fermer la salle ici du labyrinthe. On va continuer, on va piocher une nouvelle carte. Ah, une colonne, excellent, et une pose bleue. Donc, je vais la poser peut-être comme, ouais, comme ceci. Et une autre contrainte dans le jeu, c'est qu'on ne doit pas tout simplement recouvrir le Minotaur. Donc là, pour l'instant, il y a un rectangle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. On pioche une nouvelle carte. Pause bleu. Est-ce qu'il y a du bleu ici euh, Oui, là. Quelle carte serait intéressante à placer Je pense qu'on pourrait faire comme ceci. Au moins, on ferme la salle et on a nos trois colonnes. Donc, on arrive sur la fin de notre partie. Il suffit maintenant de fermer intégralement la salle. Donc, une autre carte avec une colonne. On doit couvrir une salle jaune une salle jaune et eh bien on va couvrir comme ceci la salle jaune. Et comme vous pouvez voir, j'ai fermé presque intégralement et eh bien le minotaure dans sa salle dans le labyrinthe et je pense qu'on va potentiellement finir sur cette action où je vais mettre cette carte ici. Et en faisant cette action, je n'étais pas terminé. Non. Ah non, non. je n'ai pas terminé. Moi j'ai pas terminé parce qu'en fait ici, il y a toujours un accès d'ouvert donc il faudrait que je mette une carte par, par là pour fermer totalement l'accès au Minotaur donc il faut que je recouvre une salle jaune par contre il faut que ça soit bien placé pour laisser apparent les salles qui sont bien fermées donc une salle jaune une salle jaune ici ici euh... est ce que ça vaudrait le coup de faire oui par contre je peux pas le placer je vais le faire comme ceci donc en faisant ça, déjà j'ai fermé l'accès qui permet au Minotaure de partir par le haut. Il reste toujours le côté droit à couvrir. Salle rouge, une salle rouge. Euh... Ah, Il ne faut pas que je bloque ici l'accès. Eh bien, je vais continuer à bloquer comme ceci l'accès au Minotaur. Salle jaune, eh bien voilà, je pense que là on y est. Je recouvre la salle jaune comme ceci. et en faisant cette action, j'ai bien un labyrinthe, une salle totalement fermée ici dans lequel est présentement le minotaure et j'ai trois pylônes, donc trois colonnes dans la salle. Donc je me retrouve dans une situation où il me reste des cartes aussi bien dans la main une carte et dans le pioche, mais j'ai fini le défi numéro 2 donc le palais de Knossos est terminé. On va passer au défi numéro 4 parce que le défi numéro 3 il fallait faire une zone d'au moins 10 dalles de même couleur, mais je décide de passer directement au défi numéro 4 pour vous montrer comment eh bien, la difficulté devient de plus en plus ardue. En sachant que le défi numéro 4, pour l'instant, je n'ai pas aussi à le faire en partie hors caméra. On va voir si j'arrive à le faire avec vous eh bien, sur cette partie. Alors, on nous demande de faire une salle avec au moins deux torches, deux colonnes et une zone d'au moins 5 dalles de même couleur. Et vous allez voir que finalement, d'avoir des torches et des colonnes, ce n'est pas évident parce qu'on se retrouve très souvent à utiliser ces cartes pour fermer eh bien, le labyrinthe. Donc, on va mettre la carte ici de contrainte. On va reprendre les cartes qu'on a utilisées pour enfermer le Minotaur. On va mélanger toutes ces cartes et on va voir si on arrive à faire ce défi eh bien filmé en vidéo, en live avec vous. Euh, ce que j'aime bien toujours, comme je vous l'ai dit, c'est aussi la qualité de ce jeu, dans le sens où eh bien, il regroupe des jeux que j'aime bien comme Megapolis, Agropolis et aussi Codex Naturalis. Et c'est un système qui est assez plaisant, qui tourne bien. Et là, vous voyez, en quelques minutes, on peut se lancer et démarrer la partie. Alors, on va piocher nos deux cartes. C'est parti. Et on a une contrainte de salle jaune. D'accord. Dalle jaune à recouvrir. Très bien. Donne-moi avoir une colonne, donc là cette carte est pas mal parce que j'ai torche et même je vais plutôt le mettre comme ça on a une torche et une colonne, très bien nouvelle carte, contrainte verte, et eh bien parfait, j'ai encore une carte colonne, torche on dirait que j'ai triché, mais non, je vous ai bien mélangé devant vous les cartes, donc je suis dans une situation assez intéressante dans le sens où et eh bien j'ai tout de suite mes deux colonnes et mes deux torches, mais il va falloir que je referme finalement le labyrinthe, donc la salle dans laquelle j'enferme le minotaure mais ce qui est bien, c'est que j'ai deux cartes là dans la main avec des torches. Donc, je vais potentiellement réussir déjà à faire eh bien, une salle complète. Et je pourrais peut-être même aller sur du rouge pour les cinq couleurs. On va voir si c'est ça qu'on va retenir ou pas. Alors, euh, contrainte de peau sur du bleu. Faire comme ceci. Comme ceci, plutôt, ça vient dessus. Donc, notre salle se présente comme ça. J'ai au moins 5 rouges ici. Ok. Contraint de couverture. Ok, rouge. Rouge, rouge, rouge. Euh, Est-ce qu'on ne ferait pas ça J'ai bien envie de faire ça. Ok. On pioche une nouvelle carte. Toujours sur du rouge. Il faut que je ferme maintenant l'accès ici. Moi, je vais faire comme ceci. Donc, ici, l'accès est totalement fermé. Faut quand même que je recouvre le minuteur par le haut et par le bas pour pas lui laisser d'accès. Ok. Euh, Qu'avons-nous donc ici Couverture d'une dalle bleue. J'ai dit que j'allais sur du rouge, donc je vais faire comme ceci. Et bien, on va continuer. Couverture d'une dalle jaune. Alors du jaune, il y en a là-haut et c'est intéressant dans le sens où il faut que je ferme aussi le haut. Eh bien, je vais faire comme ceci. Ouais, ça, je vais le laisser comme ça. Okay. Nouvelle carte qui est piochée, donc on y va. Il faut couvrir une dalle bleue. En rouge, j'en ai toujours 5 dalles de ma couleur dans la zone. Ok. Une dalle bleue. Potentiellement, que je vais fermer ça ici. Euh ceci je pense ou peut-être comme cela sinon comme ça j'ai fermé le bleu donc là le minotaur est totalement coincé à part ici ici et ici donc il faut que je ferme ces dernières zones alors une dalle verte à recouvrir parfait est ce que je le mettrai comme ceci bah ben oui pourquoi pas voilà. je une nouvelle carte dalle jaune à recouvrir ah, bah j'ai Thésée Thésée va potentiellement me servir pour rebloquer une salle, par contre on avait dit qu'il fallait deux torches, la torche elle est là elle est un peu haute, ça c'est embêtant euh, potentiellement que j'ai utilisé cette carte pour hum, hum. Hum, il faut que je recouvre du jaune là je suis mal par contre hum, je ne veux pas que je me bloque non plus est-ce que je ne me mettrai pas... où j'utilise cette carte et j'utilise pas la condition en fait, de pause Je pourrais faire ça en fait. Non. C'est pas bon ça du tout. Je pourrais potentiellement faire ça. Parce qu'il faut que je ferme. Donc, non, je vais toujours me concentrer comme ça. On va faire ça. Pour là, je fais ça, au moins je ferme la zone et je laisse ouvert keep, que par là. Et je vais essayer de m'arranger pour refaire rentrer une torche dans le jeu. Ou avec cette carte, ou avec d'autres cartes pour entourer ici eh bien, la salle. Très bien. Donc une peau sur une carte verte. Laquelle je vais mettre Est-ce que je ne ferais pas ça Je peux pas le faire. Par contre, je pourrais faire ça. Mais ça ouvre trop de points d'entrée. ouais je pense qu'on va faire ça c'est pas on va partir un peu plus haut d'accord ok on continue toujours sur une salle verte donc sur une dalle verte je vais devoir poser une salle bah, je vais faire ça comme ça je ferme la salle ici voilà et bien et on va espérer pouvoir finir avec cette dernière main euh, sur une dalle rouge dalle rouge est-ce que j'en ai assez là Oui. Voilà. Donc là, il y a ici que c'est toujours ouvert. Donc il faut que je m'arrange pour fermer ce point d'entrée. Euh... Sur une dalle bleue. Ouais, on va venir manger tout autour en fait de... de la salle. Et on va essayer de refermer avec potentiellement ou du rouge ou du bleu, on va voir. Donc rouge. Donc ça c'est très bien, c'est ce que je voulais. Parce qu'avec le rouge, je vais poser la carte ici. Et en faisant cette action, normalement, j'ai fini la condition de l'épreuve des dieux qui me demandait d'enfermer le minotaure dans une salle avec deux torches. Donc, une, deux. OK. On vérifie que tout est fermé. C'est bien le cas. Est-ce que c'est bien le cas Je pense que là, c'est ouvert. Je, si je revois comment j'ai posé mes cartes, je crois qu'ici, c'est encore ouvert. Va se laisser le bénéfice du doute. On va dire que c'est ouvert. Je vais mettre une carte quand même pour refermer ce point. Donc sur une dalle jaune, je dois placer une carte. Et eh bien voilà, au moins je préfère être sûr de moi en posant la carte comme ceci, pas qu'il y ait de triche. Hein. On va dire ça comme ça. Et là, ainsi, j'ai fermé totalement la salle. Et en l'occurrence, il n'est pas possible pour le Minotaur de sortir des salles qu'on a construites. Donc il est coincé. Donc on revérifie maintenant les conditions de victoire avoir deux torches, donc une, deux, j'en ai trois d'avoir au moins deux colonnes, j'en ai une, deux, même trois, quatre, donc c'est bon, on est bon et d'avoir au moins une zone avec cinq dalles de même couleur. Alors la question c'est est-ce que quand on dit une zone de moins cinq dalles de même couleur, c'est connectée ou pas Parce que si ça veut dire connecté, j'ai échoué, Parce que là c'est pas connecté. Donc, il faut que je repose quand même une autre carte pour arriver avec mes rouges complets à en avoir au moins 5. Donc, on va continuer. Alors, très bien. On pioche sur une dalle rouge. Si je fais ça, est-ce que j'ouvre pas mon jeu Si, je vais l'ouvrir. Euh, dalle rouge. Voilà, c'est ennuyant par contre parce que là, je prends un risque. Je rouvre tout, tout mon jeu. Mais c'est pas grave, on va tenter. Donc là, j'ai posé sur une dalle rouge. Là, on me dit de poser sur une dalle bleue, donc je vais refermer ici. Alors, comment je pourrais refermer ça sans tout réouvrir ah ouais, C'est un peu casse-tête, hein, vous voyez euh, Est-ce que je pose ça comme ça Non. Par contre, c'est sur une dalle bleue, on a dit, donc c'est obligatoirement comme ça. Ah là là, je me suis mis dans une galère. J'aurais peut-être pas dû y toucher. Même en dessous c'est une carte déjà pleine. Donc je ne peux pas le poser. Je suis obligé de faire ça. Ah, mais j'ouvre deux zones. Bon, c'est pas, on va tenter comme ça. Très bien. Encore une carte, donc jaune. Contrainte, un, un jaune. Eh ben, c'est très bien, c'est ce qu'on a là-haut. Mais tout ce que je reçois ne me convient pas en termes de cartes. J'ai pas le droit de placer dessus. Je peux placer à côté comme ceci. Ok. Encore une carte sur du vert. Ah, ben voilà, très bien. Là, j'ai reçu Ariane. Ariane, je peux la placer n'importe où en respectant quand même les conditions de pose, c'est-à-dire que je ne peux pas poser une carte sur une carte complète en dessous. Je peux la placer par contre sur un côté ou sur une carte qui est à moitié utilisée. Donc, Ariane, elle va venir refermer tout en haut, mais là, je crois que vous ne voyez pas sur l'écran. Donc, je vais devoir remonter un peu l'écran comme ceci et je viens la placer ici. Rien à les placer. Donc là, on a tout fermé. Il manque que ce point ouvert. Eh bien, on va espérer avoir la carte qu'il nous faut. faut fermer sur du bleu. Bien voilà. En faisant ça, c'est pas bon. En faisant ça, par contre, en faisant ça, on est presque bon. C'est ouvert où Ici. J'ai laissé un point ouvert. et eh bien, dernière carte du jaune. Ah là là. En faisant ça, c'est bon. Non, le Minotaure, il ne peut pas sortir par l'eau. Donc oui, on a enfin la bonne action. C'est qu'on va poser tout simplement ici la salle, une nouvelle salle, sur l'eau jaune. Et en faisant cette action, le Minotaure est bien bloqué. Il ne peut pas remonter. Toutes les salles sont-elles fermées ah, Cette carte, elle était au-dessus, donc c'est bon. Ceci. Donc là, on a nos deux torches, nos une, deux, trois, quatre, bon, plus que deux colonnes, et une salle connectée de cinq rouges. Eh bien, non, on ne l'a pas. Par contre, on a ici un, deux, trois, quatre, cinq bleus. Donc on est bon. On a réussi à réaliser finalement eh l'épreuve des dieux. Donc vous voyez, en fait, on pense que c'est assez rapide, qu'on peut s'en sortir, mais on peut rencontrer des difficultés de pause, comme je viens d'avoir. Surtout que si on dit une zone de moins 5 d'alles de même couleur, pour moi c'est bien les salles qui se connectent. Si, après, si ce n'est pas ça, j'en eh suis désolé, mais c'est comme ça que je l'interprète. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, voilà, je vous ai présenté deux autres défis dans cette vidéo et vous voyez finalement que ça tourne plus ou moins bien donc je vous dis à très très bientôt et en tout cas je remercie encore une fois Subverti de m'avoir fait parvenir des dalles et Subverti c'est également les auteurs de Dictopia de Biomos que je vous ai présenté sur la chaîne précédemment n'hésitez pas à les regarder les parties vous verrez que c'est des jeux assez sympas Dictopia dans lequel vous allez utiliser des lettres pour former des mots très intéressant et Biomos qui est un jeu vraiment à part entière dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer euh, si vous aimez les jetons et un peu euh, l'univers euh, euh, biologique, ou tout du moins de l'espace, de la nature, vous allez être sous le charme. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.